tout le monde. Là, on est arrivé en Islande. Il est 16h30. On a pris l'avion à midi de Paris. On est à 15h. On a pris notre voiture de location. Voilà. C'est un peu la voiture qui va nous suivre tout ce temps-là. C'est parti pour un road trip de à travers l'Islande. Oh, il fait combien? Il fait 11 degrés. 11 degrés, donc c'est pas mal. Le paysage est un peu lunaire par contre, mais bon, ça c'est pas grave. C'est beau. Les photos suivront, donc c'est pas mal. Bon, là on est au Blue Lagoon. J'ai fait le coup. Voilà, faut on le dire. J'ai pas réservé, donc ça va être un peu chiant. Donc, on va essayer de réserver pour le 16 avant de partir à Paris. Donc faut qu'on voie ça avec sur internet. Alors là on a assez de ça pue le soufre. Alors c'est pourquoi parce que ça vient en fait des volcans et en fait ça revient directement à la surface, c'est pour ça que on le soufre. En fait le soufre en fait quand il sort de la terre, il a un peu une teinte jaunâtre orangée et ça fait super doux. Bon après il y a cette petite odeur d'œuf pourri, mais bon, je trouve que ça fait un peu son charme. De paysage, enfin là je vais faire quelques plans. Bon, c'est déjà la fin de la première journée. Là, on s'est arrêté à Esjvarðardi. C'est le nom islandais. On a fait 150 km à peu près. Depuis, on arrivait 16h quand on est parti de l'agence de location de voiture. Voilà, donc on a fait
On a fait une petite connerie. Enfin, j'ai fait une petite connerie en, en oubliant de réserver pour le Blue Lagoon. Donc on va voir ce soir pour réserver le 16. Après, on a été voir plusieurs sites dans la péninsule de Reykjavik. Et on a vu qu'il y avait pas mal de mousse partout. Donc ça, c'était marrant. C'est un paysage qu'on voit pas en France. On pourrait dire ça. Donc plein de choses à faire, plein de vidéos, plein de recherches. Allez. We'll be right back.